Hey, salut à tous les amis, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, ça va être comment dessiner le lama de la Saint-Valentin. Voilà. Alors, ce lama, en fait, c'est pour essayer de battre Forever. Donc, on avait dit qu'on faisait un concours avec lui, celui-là qui fait le plus beau dessin. Voilà. Donc, là, je vais dessiner le dessin avec vous. En même temps, je vous montre comment on le dessine. Voilà. Et puis après, je vais faire un petit montage. Quand lui va sortir sa vidéo, je vais vous montrer les deux dessins. Ensuite, vous allez me dire dans les commentaires quel est le dessin que vous préférez. Et puis voilà. Et je mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez vous abonner ou quelque chose comme ça. Alors, déjà, faut que je retrouve mes feutres. Voilà. Alors, pour commencer, il vous faudra du rose, du rouge, du noir et un crayon. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut normalement. Alors, déjà, on va commencer par dessiner le bas. Donc en fait, je vous explique encore un petit peu. Donc en fait, on réunira mes abonnés et les abonnés de Forever. Voilà. Et comme ça, on pourra marquer combien de votes. Puis je perds, c'est pas grave. Hein, vous pouvez choisir lui. Hein, c'est pas une préférence d'un youtubeur. Hein, c'est juste. Voilà. Donc dites la vraie vérité comme ça. Voilà, comme ça on fera peut-être souvent des vidéos comme ça, peut-être je gagnerai de temps en temps, ou voilà. Donc voilà. Alors. Parce qu'en fait, le thème, c'était le but de la Saint-Valentin. Et puis voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc, non, on a déjà fait le bas. Maintenant, on va commencer à faire le haut. Et j'espère que tous mes abonnés, hein, mes abonnés complets, j'espère qu'ils seront là. Au moins 100 personnes, j'espère, parce que... Voilà quoi. Maintenant, ça va être plus dur ici. Hop. Parce qu'en vrai, je vous expliquais que le dessin là, il est pas du tout facile. Franchement, je trouve pas trop. Hein.
Hop. Ensuite. Si je parle pas trop, je suis un peu concentrée, hein. C'est pour ça, hein. Parce qu'en vrai, j'ai envie de gagner aussi, tu vois. Vous voyez, je pense que. Voilà. Ensuite, là, on va dessiner la tête. Hop, voilà. Non, j'ai fait une petite erreur, faut que je gomme. Vais prendre la gomme là, plus qu'à avoir la neuve. Voilà. Donc là, on va dessiner ce côté. Et là, normalement, on va dessiner la bouche. Normalement, c'est ici. Bon, ça m'arrive que je me perce pour ça. Voilà, bon.
Voilà, bon là on va dessiner le chapeau. Là, là, on a dessiné des petits trucs là. Voilà. Hop, là, on va dessiner. Ça. Bon, maintenant là j'ai fait une autre erreur. Où elle est la gomme? Là. Là maintenant faut dessiner des cœurs là. Hop, commence à dessiner des cœurs. Là, ici pour la main. Non, c'est pas comme ça qu'on l'a fait normalement. C'est plus bas normalement. Attendez, attendez. Ici, normalement, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Voilà. Voilà, faut que je me prenne vraiment. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ça m'arrive de me tromper plusieurs fois. Hop. Hop. Hop là. Hop, et normalement, ça vient comme ça. Bon, là, c'est pas vraiment les cœurs. Ouais, si, ça va. Franchement, ouais, c'est bien. Là, on met la petite carte où il y a marqué. M, L, et là en dessous il y a Love. Voilà, j'en mets la petite carte. Et voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est good. Maintenant, on va faire les petits, tirer les petits traits. Bon, là maintenant, il faudra faire des grands cœurs, hein. En faire des tout petits aussi. Voilà, des petits cœurs, des grands. Là ici non, ils en ont un. Là ici. Et là. Voilà. C'est bon comme ça. Bon, on n'en reste plus qu'à le dessiner. Hop, on va prendre le noir. J'espère qu'il va montrer son dessin aujourd'hui, hein, comme ça. Faut que je lui envoie un message parce que j'ai sorti la vidéo et puis. Hop, voilà. Voilà, donc comme titre, je mettrai le dessin pour Bad Forever et puis. Après, je changerai le titre, quoi.
Voilà. Voilà, en train de dessiner son costard. C'est pour ça. Il y avait ses doigts, je m'en souviens ici. Son chapeau. Ces petites manches là. Contour. Hop là, j'ai oublié de dessiner un petit carambole là. Voilà. Ah non, non, pas du tout. Là, ici. J'avais complètement oublié. Oh, on est déjà à 16 minutes de vidéo. Wow. Voilà. Bon. Maintenant, faudra prendre le rose. Le rose là, oui. Je me demande si c'est du vrai rose parce que j'ai en train de regarder la couleur et il me paraît bizarre, mais c'est pas grave. Et là, on va commencer par dessiner du rose. Hein. Commencer à dessiner le contour, l'intérieur des cœurs. Voilà. Bon. Ensuite, on va prendre le rouge. Hein. On va le prendre. Et puis dessiner avec. Je crois qu'il faudra le dessiner pendant tout le dessin, je crois. Ah, mon rouge commence à souffrir un peu. Je vois commencer à avoir des petites traces blanches. Ça veut dire comment ça a pu marcher. Et là, ça craint un peu. Hein. Parce que là, les dessins, ça va être chaud après. Hein. Déjà mon noir il marche déjà plus, mais bon, j'ai toujours des feutres pour enlever les erreurs. Maintenant il y a le rouge, ça craint. Hein. Parce que le rouge c'est la deuxième couleur que j'utilise le plus. Et j'ai pas de rechange quoi. Oh. En train de m'étirer. On est que le bas du dessin, foi. Les cœurs, hein, c'est fou un truc là. Pour.
En plus, c'est pas fini après l'avoir dessiné. Hein. Faut que je prenne le. Comment ça s'appelle encore? Le contour, là, je crois. Faut que je prenne un petit stylo noir et fasse le contour. Voilà. Ensuite, là. Bon, ici, ça va aller vite, normalement, des bras, là, et tout ça. Ah non, en fait. Hein. Voilà. Juste attendez une seconde. J'ai un message de Forever, je crois. Oh non, ouais, parce que voilà. Ensuite, là. Hop, là, sa petite coupe. Voilà. Ensuite, là. Ensuite, le nez. Voilà, là, on va prendre. Voilà, donc juste, on va juste récupérer de nouveau le noir. Et là, on fait un genre de rond noir comme ça. Voilà. Juste comme ça. Et vous allez juste prendre aussi le jaune. Comme ça, on fait ses dents. Hop. Là, on fait ses dents, là, jaune. Hop. Voilà. Maintenant, on va juste faire son chapeau. Puis on aura fini. Wow. Oh, le truc de fou, moi je prends plus le marqueur. Oh. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut marquer un truc là, hop. Voilà, c'est bon comme ça, non? Hop. Suis en train de regarder l'image. Ouais. Maintenant, il faudrait prendre un genre de stylo noir. Je regarde si je l'ai. Oui, exactement, un comme ça. Ça marche vraiment bien, je trouve. Et vous allez faire tous les contours. Et là, ça ira beaucoup mieux. Je pense. Comme ça, les traces que vous avez dépassées, ben, ça enlève les.
Sur 24 minutes, non, 25, ouais. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo, je crois, elle a duré 30 minutes juste pour un petit emoji. Franchement, je prends vraiment beaucoup de temps à dessiner, mais bon, après, ils sont stylés quand même. Là, on fait juste des genres de traits comme ça. Pour faire genre que c'est genre ses poils comme ça, hop. Hop là. Ah, il est stylé, hein, quand même. Maintenant, je suis vraiment curieuse ce qu'il va faire Forever parce que lui, en général, il fait toujours des super grands et beaux dessins. Il avait fait un super beau marshmallow aussi. J'étais super. Je regardais. Je regardais son dessin. Wow. En plus, il fait en crayon alors. Oh, c'est chaud à faire tous ces cœurs là. Hop là. On a déjà fait tous les cœurs. Maintenant, on va faire la main. Hop, trait. Puis voilà. Ensuite, maintenant on va faire le bas. Problème, c'est que j'aime pas quand je fais des dessins. En fait, le truc, quand je fais des dessins longs, et ben, ils sont hyper longs à publier. Et ça, je déteste. Franchement. Sur ce coup-là, je vais pas faire de montage. Hein. Voilà. Donc, alors voilà le dessin pour essayer de battre Forever. Voilà. Donc j'espère que ce petit dessin vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.